Équipier marseillais, oh, attention, et ça joue. Et but, magnifique. Oh, oh. Quel but. Parce qu'on a vu des beaux buts, on a vu des images évidemment sympas comme celle-ci, on a vu des buts, on a vu l'arbitre inflexible, inflexible comme la loi, qui avait d'ailleurs failli dégainer le carton tout à l'heure. Et puis on a eu quand même aussi de vraies surprises niveau foot. Comme par exemple ici. On a été très surpris quand même de voir. Il ne faut pas se frotter aux talonneurs, ils sont plutôt de mauvais poils. Là par contre on a vu des tentatives honteuses d'aller marquer avec la main de la part de Chris Massoli. C'était quand même. Ça n'a pas complètement abouti. Si la rude défense de Pierrick Gunter sur Mathieu Valbuena, petite différence de gabarit, toute petite. Voilà, que du sourire avec Egalet. Mandanda, Valbuena. Là, ça va se compliquer pour David Smith pour revenir. Mandanda, pourquoi pas marquer un but. Superbe, Steve Mandanda avec le brassard de capitaine, 3 partout. Ça pouvait pas durer. On a annoncé Souleymane Diawara, tous les sifflets de Mayol. Souleymane Diawara est dans les buts marseillais, c'est bien Steve Mandanda. On l'a entendu crier. Jusqu'ici, et le dégagement très long. Ah là, il n'y a pas de hors-jeu, il est parti de sa moitié de terrain, Valbuena. C'est bien arbitré de la part d'Éric Cantona. Alors qu'il y a eu une tentative honteuse de Chris Massoli de retenir son adversaire par le maillot. Et bien voilà. Le doublé de Mandanda, 4-3 pour l'OM. Deuxième mi-temps sera compliqué. Bonne deuxième mi-temps. Et voilà, et encore un beau but. Et cette fois-ci, Brice Samba, un autre gardien, ancien vrai. Il est beau ce but. Les gardiens marseillais à l'honneur avec le ballon au pied. Regardez, pied gauche. André-Pierre Gignac est vraiment récupéré par les Marseillais. Oh, attention, première interception d'André-Pierre Gignac qui va aller marquer le premier essai de cette deuxième mi-temps entre les poteaux. Et oui. Demain le toucher. Et vous avez entendu la consigne de Marc Evremont, le toucher c'est deux mains. Toucher une main, le jeu continue. Les transformations ou pas? Alors. Pas de transformation. Superbe. Alors, on réclame un ballon parce qu'on ne va pas perdre de temps après la transformation. C'est Diawara finalement. Ouais, ça passe. Bravo. Allez, blanc à vous. 6, on va mettre 6, on va mettre. Allez, à 6. Le public toulonnais aime la mêlée. Bon, alors là, voyons. Doucement. Ça s'excite. C'est sûr, les gars. Bouge pas, on sait jamais. Ça tombe pas. On va rentrer, messieurs, je pénalise. On va rentrer ou je pénalise. Assis. Place tes mecs, regarde. Côté marseillais, on a quand même des spécialistes du poste. Trois premières lignes, deux en seconde ligne et un sixième, c'est tout, assis. Les autres derrière. Tu la joues après. On pousse pas, les gars. On pousse pas. Voilà. Vas-y, attends vite. On est 6 en mêlée, on joue des tenues, ça me rappelle quelque chose. On pousse pas. Mitage. Pierre Bidoni qui a été pris. Il était pris aux chevilles. Hop, il va la jouer vite, attention. Il faut se replacer pour les joueurs tous les deux. Les Marseillais qui sont sur la ligne médiane. Oh, il était un petit peu devant le moteur. Et ça sera un essai marqué en bout de ligne. Avec un plongeon à suivre. Transformation. Cheval Bonin. Oh, pas mal, bravo. Transformation en coin. Réussi par Mathieu Valbuena. On a effectué un renvoi. Et puis, on voit ici le beau geste de Mathieu Valbuena qui n'est pas peu fier d'avoir réussi. Pour le garder. Transformation pour Éric Cantona.
comment ou un coup de talon, Eric. Tourner le ballon. Un coup de talon. Tourner le ballon. Alors qu'Eric Cantona allait taper. On n'a pas le droit. Allez. Lucarne supérieure. Eric, lucarne supérieure. Face au poteau. Ah, c'est court. Poteau. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Le jeu de la barre, si important dans le milieu du foot. Eh bien, Eric Cantona, une tentative, tac, c'est réussi. On rentre à la maison, il a fait le spectacle. Bravo. Elle est magnifique, cette barre. Bravo, bravo. Bravo. Ça a accordé. Au 50. Il l'a réussi. Regardez. Sur la barre. Bravo. Non. Mais en foot, taper cette barre, c'est encore plus beau. Encore plus beau qu'une transformation. Joue au pied. Joue au pied pour eux. Magnifique. Félicité par André Pierre. Et pourquoi pas le retrouver au Brésil, si tant est que la France se qualifie. Mais pourquoi pas André Pierre Gignac dans le groupe français. Regardez. Super. Elle est passée en dessous, mais il y avait la précision. Il a une grande saison à faire, André Pierre Gignac, avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, il est en grande forme. Ah, il est en grande forme, vraiment. Blague à part, il est en pleine bourre. Exactement, on le dit pour le rugby, on le disait tout à l'heure pour le foot, on le trouve affûté, on le voit multiplier les appels de bas. Favorable. On passe. Allez, là, dans l'accélération, on a croisé, bien joué. On a croisé devant José Luis Suta et c'est marqué par l'Olympique de Marseille. Oui, bien. Bravo. Super. Il est magnifique cet essai, encore une fois, Alexis Romao, avec Rob Fanny, avec Abdullah. Et messieurs, nous sommes avec l'homme du match de rugby, André-Pierre Gignac. Le trophée a été décerné. Rodolphe Pires, notre spécialiste au rugby, vous avez lu un jeu. C'est un trophée toutbidon.com ça. Pas du tout. Trop cool. Ah oui. C'est sûr que ça cavale depuis le début de cette deuxième mi-temps. Bien. Elle réussit cette transformation, me semble-t-il. Il a le 17.